Ne lui parlez jamais de moi. Il en va de sa vie. Appelez-la simplement Loulou. Je dois aller dans un horrible pensionnat. Je veux que tu deviennes quelqu'un, Loulou. Laissez-moi vous présenter la dite Loulou de Montmartre. Oh, tu n'étais qu'un tout petit bébé quand je t'ai recueilli, il y a 12 ans. On t'avait amené dans l'église. Qui m'avait amené? Ta mère. Ta mère courait un effroyable danger. Elle souhaitait que je te donne ce paquet quand tu serais grande. Ces chaussons possèdent un secret. Je suis sûre qu'un jour, ils me conduiront à ma mère. Peu importe quel est ton vrai nom, pour moi, tu seras toujours ma petite Loulou. Je donnerai ma main à couper, que c'est lui le malheur qui a frappé tes parents. Bois Robert ? C'est ça ! Retrouvez-les ! Ramenez-les-moi en un morceau, ou même en plusieurs ! Je prouverai que c'est vous qui tirez les ficelles. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Pour des raisons que je ne peux t'expliquer, elle court un grave danger. Je ne laisserai personne faire de mal à Loulou. Méfie-toi de l'homme à la canne d'argent. Qui est-ce? Ah, si je le savais. Si tu le vois, tu le reconnaîtras tout de suite. Il faut absolument que je la rencontre. Si vous lui faites le moindre mal, je vous tuerai. Vous n'êtes qu'un monstre! Vous n'avez pas le droit de me frapper. Il y a raison. Imitez-vous au travail pour avoir un vrai métier. Sauf votre respect, madame la directrice, je deviendrai danseuse. Si tu crois suffisamment en toi, je t'aiderai à devenir une grande danseuse. Et personne ne doit se mettre en travers de ta route. J'ai placé beaucoup d'espoir en toi, surtout pour une élève qui va avoir la chance de se présenter au concours de l'opéra.